Merci à tous les spectateurs de la chaîne JCM TV, jeune concepteur du moment télévision. Et bien aujourd'hui, nous nous retrouvons au plein où nous allons recevoir Monsieur Trésor Kumakamba-Nyimi. Alors, c'est son arrivée, bien sûr, pour l'installation du parti politique ALDEC, Alliance démocrate des chrétiens du Congo. Dames et messieurs, eh bien là, c'est son arrivée et elle est là pour représenter Madame Adèle Kanyinda, l'autorité morale. Et c'est à 14h47 que M. Trésor Kumakamba-Nyimi est arrivé à Ilebo, d'où l'accueil chaleureusement l'a été réservé à la plaine d'Ilebo, l'aérodrome bien entendu. Et voilà le personnalité, le membre même du parti politique qui l'accueille avec honneur et l'hommage l'a été aussi réservé de la part de membres que vous allez bientôt là observer et voir, contempler avec nous. Dames et messieurs, tous les spectateurs, là nous sommes encore à l'aérodrome et voilà, c'est la sortie où nous allons nous diriger encore une fois de plus à la résidence, non, pourquoi, le bureau du parti politique ALDEC, c'est-à-dire ALDEC, bien entendu, Alliance démocrate des chrétiens du Congo. Et voilà, comment est-ce que Monsieur Trésor Kumakamba-Nyimi est accueilli ici à Ilebo avec musique, avec fanfare, avec danse? Vraiment, c'est vraiment un accueil chaleureux qui lui a été réservé au son de notre territoire d'Ilebo. Et voilà, nous convions à suivre partie par partie, étape par étape, l'arrivée, ou soit la marche, jusqu'au bureau du parti politique. Et voilà, c'est parti. Eh bien, là, nous sommes sur l'avenue Kabila, aujourd'hui appelée avenue Fatou Béton. Alors, nous nous dirigeons au bureau du parti politique ALDEC, bien entendu, Alliance démocrate des chrétiens du Congo, situé sur l'avenue Kabila, aujourd'hui appelée avenue Fatou Béton, juste dans un même côté que Ngandastino, près du rond-point Léopard, au rond-point Kachia. Mesdames et messieurs, nous continuons paix à paix, nous allons arriver, restez bien connectés, branchés, à voir, contempler, comprendre l'accueil et tout ce que le représentant légal du parti politique pourrait nous dire ensemble avec vous. Observons. Eh bien, nous vous convions à suivre son discours bien préparé, encore une fois de plus. La population est bel et bien contente parce que monsieur le représentant Trésor Kumakamba-Nyimi a vraiment parlé des histoires très importantes et très capitales suivantes. Donc, Aïe, na représente nani maman Adèle. Azali Mélisse. Azali Kolo Parti à ALDEC. Yende autorité morale na biso. Alors, pensa ki na bino, abike na Ilebo, parti na ngai, azali te. Alors, a délégué ngai comme représentant à parti na e a ou na Ilebo.
Donc na ligne bo soutenir yé. Puis on se trouve soutenir vision moko. Tout dans moko moko na kan na 2023 té les ali président de la République. Mais na ko. Mais puis ça ki bodai ko banda tongo alors là na ko. Mais c'est. On mouto zo lo banan. Avion. Il y a un peu de temps. Soit représentée partout. Alors elle m'a délégué de venir représenter, donc de venir ici comme son représentant dans le camp de son parti et implanter son parti politique Aldo Kishay à Ilebo. Donc c'est pour cela que vous avez vu ma présence ici à Ilebo. Qu'est-ce que vous envisagez en implantant ce parti ici? Et c'est parce que nous tendons déjà vers les élections qui s'annoncent déjà dans quelques mois où ce parti pourra rester en République démocratique du Congo dans des siècles et siècles. Non, le parti, ce n'est pas dit qu'elle vient de naître. C'est un ancien parti. Alors, à Ilebo, le parti n'était pas là. C'est pour cela que je suis venu l'implanter. Si ça pourra rester, même si que moi je serai plus là, les autres pourront toujours continuer avec ce parti. Et qu'est-ce que vous envisagez en implantant ces partis dans nos milieux? J'aimerais que, comme notre parti est nommé à l'Alliance démocrate chrétienne, c'est un parti politique de chrétiens. Nous voulons à ce que donc, tout le monde qui ait aussi la vision de faire des choses mieux que les chrétiens. Parce que beaucoup ils sont dans la politique, ils ne sont pas les chrétiens. Et puis quand ils prêtent serment, ils disent le contraire de ce qu'ils disent. Pensez-vous peut-être postuler lorsque les bureaux, parce que les bureaux sont déjà ouverts, est-ce que vous avez ces ambitions-là de postuler, servir la nation congolaise? Nous sommes prêts pour servir la nation. Nous sommes sous le drapeau, nous avons cette forme-là de servir la nation. Nous avons ce droit-là de servir notre très cher beau pays que nous dénommons la RDC. Pendant ces temps, nous voyons plusieurs personnes venir prêcher n'importe quoi. Et après tout, après élection et consort, ils partaient, ils oublient leur circonscription et consort. Alors, vous allez abonder dans le même sens ou vous avez une idée contraire par rapport à ce que... Moi, j'ai une autre manière de voir et puis j'aimerais que c'est à vous de faire l'éveil de votre conscience. Et puis, il faut savoir qui pourra être à l'écoute de ce que vous voulez. Vous voulez quoi? Et puis, qui est-ce que vous pouvez faire une demande à ceux qui, parfois, votre demande, et puis que cela soit mettre à jour, soit que cela soit appliqué. Qui on peut toucher chez qui pour que cela soit pris en compte? Comment est-ce que vous allez réaliser les ambitions que vous avez? C'est par magie ou donc on ne comprend pas parce que ceux qui sont là aujourd'hui sont incapables de les réaliser. Alors vous allez parvenir à réaliser cela comment? Bon, la question là, elle n'est pas si difficile. Bon, il y a des manières, chacun a sa manière de vivre, chacun a sa manière de voir, chacun a sa manière de faire. Donc nous avons aussi notre mécanisme, soit notre stratégie de faire, afin que nous allons à l'objectif final. Alors, aux jeunes gens d'Ilebo, peut-être qui s'apprêtent et qui attendent impatiemment ces suffrages universels en 2023, quel message vous lancez à cette population? Les jeunes, ce que moi je vais leur demander, bien sûr qu'ils ne sont pas pendant la période des élections, soit pendant la période de campagne. Donc, ce que moi je vais demander aux jeunes d'être éveillés et qui réveillent leur conscience, donc penser au Congo de demain. Eh bien, merci. C'est parti. C'était là le discours dit par notre représentant. Alors, nous sommes arrivés à la péroraison de notre vidéo. Alors, il y a bien d'autres qui n'ont pas pu dire. Alors, il pourra nous dire à la prochaine et vous allez
être connecté, branché à notre grand-mère d'Achille pour poursuivre les restes du discours qui serait dit et à venir.